Tu sais, depuis tout à l'heure, je conduis, c'est un vrai plaisir. Et pourtant, on parle que d'une Mégane 3 RS Trophy, c'est une putain de caisse. Mais il y a mille fois mieux. Mais ça reste une putain de caisse, tu vois. Là, Renault Sport savait faire des voitures. Évidemment, comme toute bonne chose, ils ont arrêté. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, eh ben, dans la généralité, il faut qu'ils nous coupent nos couilles. Hein. On peut plus avoir des belles voitures, on peut plus machin, on peut plus faire ci, on peut plus. Il faut plus maintenant. Maintenant, on va à pied, c'est quand même bon ou non, pas ses chaussures. Ah bon. En fait, c'est dingue parce que avec le temps, tu vois, bah tu te rends compte que petit à petit, on t'enlève ton plaisir. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue parce que ça reste un putain de plaisir. Je continuerai à le dire, la Mégane 3 RS, pour moi, c'est une belle découverte, tu vois. Surtout en trophy comme ça, frère. Ça me tue parce que imagine, t'étais vendeur chez Renault à cette époque-là. Tu kiffais vendre une voiture, tu vois. Une belle 3 RS comme ça, trophy, tu sais, jaune, tu vois, c'est un délire. Aujourd'hui, t'es vendeur chez Renault, tu vas vendre quoi? Une Zoé, frère? Un Austral? Ah oui, c'est la version sportive, hein. Esprit alpine. Mais c'est essence un peu, ouais, un peu d'essence, ouais. Mais beaucoup d'électrique, mais un peu d'essence. Ah, mais ça marche bien. Ah oui, quand vous avez la charge, oui, ça marche comme un ancien Trafic, Renault Trafic. Ça marche pas mieux, quoi. Ah bon, bon. Et ça coûte combien? Bah, 70 000 avec le malus. Ah bon? C'est ridicule. Elle souffle cette pute, c'est fou hein, ce que ça peut marcher. Hein. La boulangerie, je l'ai encore raté, Zub. Oh les chemitures. Oh là là, putain, j'avais oublié qu'il y avait autant de flics. Ça va. C'est quel plaisir. Quel plaisir, frère. Va avoir cette sensation aujourd'hui avec chez Renault. Alpine, oui, c'est Alpine, il y a des sensations, faut pas autant Alpine, voilà, je trouve ça un peu tu sais un peu blèche, tu vois, mais oui, c'est sensationnel Alpine, c'est très bien Alpine, tu vois. Les Alpines, hein, je parle pas des Alpines, les futures Alpines de mort de faim là, mais je te parle vraiment des Alpines les A110, les S, les R, etc. Ouais, c'est sensationnel, ça marche très bien. Tu sais, je trouve ça tellement triste. Tu vois, c'est en fait, on nous coupe toujours notre plaisir. Tu vois. On n'en fera plus des caisses comme ça, c'est trop con. C'est un plaisir à conduire à moins de 40 000 euros. Encore celle-là, je l'ai payé cher parce qu'elle est clinique, tu vois. Mais à moins de 40 000 euros, t'as un vrai plaisir, tu vois. Alors, t'as plein de plaisir hein, à mort à moins de 40 000 euros, tu vois. Mais quand même, c'est quand même mythique, la Mégane RS. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je vous ai toujours bassiné avec ces caisses-là. Là, je suis très content d'en avoir plein, tu vois. Mais on n'en fait plus des caisses comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu mais vraiment pathétique. T'as vu la gueule qu'elle a, la dernière Mégane? On dirait un tombeau, on dirait un cercueil de mort, on dirait un, je sais pas frérot, on dirait quoi, on dirait un télécabine. Tu connais le télécabine frère? Regarde, regarde ça. Oh là là, j'ai envie d'aller sur le Nurb avec.